lips, it tasted like those cigarettes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse encore, je suis encore malade, donc forcément je parle encore du nez. Et je risque de renifler, tousser, enfin voilà, les joies de l'hiver. Donc je viens de descendre à ma boîte aux lettres et j'avais encore des colis. Désolée. Je crois que ce mois de janvier, ça a été le mois de craquage, mais craquage total. Donc j'ai pré-ouvert pour éviter que ça fasse trop de bruit. Je sais plus pas trop ce que c'est. Je vous dis, j'en ai tellement qui doivent arriver que je ne sais plus. Voilà, désolée. Bella, j'aimerais bien que tu descendes de la table basse, s'il te plaît. Bella, tu descends tout de suite. Ou sinon, je vais me lever et je te mets la claque au cul. Tu descends. Merci. Donc, je vais ouvrir mon premier colis. Ah, donc c'est les tampons encreurs que je me suis enfin décidé à commander. Et je vois qu'il n'y a pas de noir. Et bon, je n'ai pas trop fait gaffe, mais il va falloir que je me commande un noir. À moins qu'il y en ait en dessous, je sais pas trop, je vais ouvrir ça. Donc je les ai commandés sur AliExpress, je vous mettrai le prix de ce côté-là. Je vois qu'il y a plus de place là, donc ça sera là. Ah si, il y en a en dessous, donc oui, il y a quand même pas mal de teintes. Alors... Oh oui, il y a des teintes. Il y a même des doubles. Non, il n'y a pas de doublons. Je sais pas si elles ont un nom ou pas. Non, elles ont pas de nom. Mais je vais quand même vous les montrer. Si jamais ça vous intéresse de les commander, si vous avez vous aussi des tampons encreurs. D'ailleurs, je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer une des précédentes commandes que j'ai reçues. Et que je vous ai pas montré. Alors, lors d'une précédente commande, je m'étais commandé des tampons. Donc, je vais commander Thank You. Donc, pareil, je vous mettrai les prix sur le côté. C'était vraiment pas excessif. J'ai commandé un I Love You. J'ai commandé. Donc je me suis dit pour agrémenter des cartes de vœux, des cartes ou mon agenda, mon bullet journal, ça pouvait être pas mal. Petit chat. Une rose. Et des petits cœurs. Ah, j'ai bébé qui se réveille. Enfin, quoi qu'il a pas... Mouli il y a pas très longtemps. Alors, dans tous ces tampons encreurs, j'ai un rose fuchsia, un argenté. Je vais un peu voir comment ça va rendre. Un bleu, un orange. Je sais pas comment ça va rendre aussi les couleurs avec la caméra. Oh, j'ai un petit brun sur mon bureau, je vous raconte pas. Mais comme d'hab, hein, ça, il y a des choses qui changent pas. Un rouge. Rose fluo. Je sais pas si vous allez voir la différence entre le rose. C'est léger pour vous. Mais non, il est vraiment fluo. Et celui-là, il est vraiment fuchsia. Ensuite, on a un autre bleu, mais un bleu plus bleu ciel. On voit bien la différence. Un beige. Un jaune. Un vert gazon. Ou quoique. C'est peut-être plus celui-là, le vert gazon. Un doré. Ils sont mis à l'envers, donc je vois pas la couleur directe, donc j'ai la surprise. Marron chocolat, un rose bébé, un bleu violet,
l'orange fluo, le violet bébé, il est trop trop beau celui-ci. Hop. Un vert, je sais pas comment l'expliquer celui-ci, je sais pas, un vert moquette, je sais pas. Un violet flashy, il est très très joli aussi. Enfin, j'adore le violet, moi, donc. Et un violet un peu plus. Voilà. Si vous allez voir. Et du coup, donc, non, je n'ai pas de noir. Donc, il va falloir quand même que je me recommande un noir. Mais là, j'ai déjà plein de couleurs et c'est super cool. Je sais plus à combien je les ai eu, mais pour pas très cher. Donc, je vais pouvoir m'amuser avec mes petits tampons et. C'est cool, quoi. Super contente, donc j'ai plein de couleurs. Bon, ça voilà, parce que sinon habituellement on a soit du rouge, soit que du noir. Donc là, je vais pouvoir pouvoir agrémenter mes petits courriers, mes petits trucs. Ça va être super sympa. Hop. Ah, je comprends pourquoi il y en a à l'envers, c'est que ça tient pas dans leur boîte. Voilà, donc je suis super contente. J'ai plus qu'à tester. Je vais peut-être pas essayer là maintenant parce que clairement j'ai pas envie de m'en foutre partout, surtout que je vais devoir sortir juste après. Même si c'est même pour qu'une demi-heure, je préfère pas risquer. Voilà, parce que je me connais. Est-ce qu'il y a un couvercle en fait? Ben non, il n'y a pas de couvercle. Donc moi je me retrouve avec une boîte comme ça. Inkpad for reading for kids. Ouais, c'est sûr que pour les pchos, ça peut être sympa. Voilà, si ils sont adeptes de tampons, c'est vrai que ça peut être sympa, des petits formats comme ça. Donc je vous mets le lien, pas en barre d'infos parce que YouTube nous casse un peu les pieds avec AliExpress. Donc je vous mettrai tous les liens des produits sur ma page Facebook, dont le lien est dans la barre d'infos. Donc c'est super cool, j'ai plein de couleurs. J'espère que ça va bien marcher et que c'est de bonne qualité. Je vous remettrai une annotation de toute manière sur le bas de la vidéo. Je vais essayer de les tester dans la journée et voir ce que ça donne. Et j'espère que ça va pas sécher trop vite. Donc à voir. À tester tout ça. Ensuite, alors, seconde enveloppe bulle. C'est un peu la surprise. Ah! Alors ça peut être sympa pour vous si vous avez le même rasoir que moi, donc, enfin la même marque, parce que voilà, toutes les lames sont interchangeables, vous pouvez mettre d'autres lames sur le même rasoir. Donc je parle du Vénus, le gilet de Vénus. Moi j'ai celui-ci et voilà, les lames ça coûte une blinde, voilà, quasiment plus cher, si ce n'est plus cher que le rasoir neuf quand vous l'achetez. Donc moi j'en ai un petit peu marre. Donc j'ai trouvé l'alternative sur AliExpress. Donc je me commande des lames sur Ali depuis ça fait un... les dernières lames que j'ai commandées, elles venaient de d'Ali. Et ça fait un moment que j'ai pas recommandé parce que j'en avais commandé, je crois que j'en avais eu 6, 4 pareilles, et elles durent quand même relativement voilà, ça fait leur. Elles font bien leur temps et voilà, ça fonctionne tout aussi bien que les originales. Et voilà, donc je me suis commandé des lames de rasoir, voilà, qui sont adaptables sur le Vénus, enfin sur le gilet. Je pense que ça marche sur le Brie, ça marche sur toute la gamme qu'ils ont sorti là, mais bon, c'est celle de base. Et voilà, ça fonctionne plutôt pas mal pour moi. Donc moi je voilà. J'en ai commandé 4. Et faites attention, il y a différents liens où il y a des frais de port à payer ou autre. Mais bon, moi j'ai trouvé ceux-ci sans frais de port. Parce que voilà, AliExpress pour moi c'est sans frais de port et puis c'est tout. Donc pareil, le lien sera sur ma page Facebook et moi j'en suis super satisfaite. Donc là, je peux vous les montrer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas écrit de marque, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est juste des lames qui sont adaptables. Donc voilà. Et. Moi je suis contente parce que ça, c'est en France, c'est vraiment, ça coûte une blinde et ça me saoule clairement. Voilà, donc des lames de rasoir, si vous osiez pas voilà, si vous aviez pas cherché sur Ali, vous trouvez voilà, mais vous en trouvez plusieurs. Donc moi je suis super contente.
Voilà, là je suis reparti pour un petit moment, donc c'est cool. Et ça, à chaque fois maintenant, je recommanderai sur Ali parce que pour moi, c'est devenu un indispensable Ali. Voilà, je remets dans le petit paquet que je mettrai dans ma salle de bain. Ensuite, dernier paquet. Ah, Bella va être contente. Donc, j'ai reçu mes deux éponges Conjac. Ouais, c'est ça, deux éponges Conjac que j'avais commandées. Bon, c'est un petit peu tout en brouillon. Hein. Je sais pas pourquoi il me laisse. J'ai une petite. C'est quoi ça? Ah! C'est le petit vendeur qui veut des bonnes appréciations. Voilà, qui veut que je lui laisse 5 étoiles, nanana. Alors, quand ils envoient pas de mail, voilà, maintenant ils mettent un petit message dans le colis. Mais bon. Et il m'a mis un petit porte-bonheur. J'en parlais avec ma soeur l'autre jour, je lui disais comme quoi moi je n'achète pas de jouer à Bella parce que clairement elle kiffe jouer avec ça, donc voilà. J'en ai déjà 3-4 qui traînent dans mon couloir et voilà, le dès qu'elle a son moment de folie dans la journée, c'est plus vers le soir, et ben elle s'amuse avec ça comme une tarée. Elle se tape des trucs toute seule, donc voilà. Donc merci petit chinois, tu as fait une ruse, hein, parce que bon, là clairement je vais le garder, je vais le mettre de côté celui-là pour quand elle aura perdu les autres ou qu'ils seront dans un état pitoyable, mais elle adore jouer avec ça. Donc moi là j'ai eu un petit poisson, donc habituellement ça peut changer, j'en ai différents, mais le petit poisson je l'ai déjà. Mais elle va être contente, parce qu'elle adore, elle adore ça. Donc c'est toujours bien gentil, petite attention. J'ai commandé la noire. Ah, je sais plus ce qu'elle fait celle-ci. Exfoliante. Ah oui, c'est celle au charbon actif, je pense. Donc pour les quand j'ai des petits boutons ou autres. Mais bon, je pense que je vais les alterner. Hein. Puis j'ai pris une blanche et la blanche, je sais plus pourquoi elle est faite. Ouais, tous les 2-3 mois, il faut les changer. Mais moi, je la change dès qu'elle commence à... Voilà, elle commence à, bah, à tirer la gueule, clairement. Mais ça, j'adore utiliser ça pour nettoyer le visage avec mon gel nettoyant. Voilà, c'est devenu une... Voilà, ça devient un incontournable, ça, pour moi. Donc là, j'en avais plus depuis un moment. Et voilà, j'avais oublié de m'en recommander. Donc ça coûte pas très cher. Donc là, je me suis dit, je vais en prendre deux, comme ça. Tranquille pour un petit moment et voilà, je vais tester deux autres couleurs parce que là j'avais utilisé une verte, donc voilà, pour changer un coup. Donc voilà, petite éponge Conjac, moi j'adore. Je sais pas par laquelle je vais commencer, par contre je sais pas laquelle je vais ouvrir, peut-être là. Enfin, j'ai pas trop de problèmes de peau à part j'ai de l'eczéma là qui est arrivé, bah, dès que je suis commencé à tomber malade. Je sais pas si c'est une réaction que j'ai eue via l'antibactérien de chez Lidl. Je ne l'utilise plus là, ça y est, parce que ça m'a brûlé les mains. Jusqu'à avoir des crevasses. Enfin voilà, je saignais. Enfin là, j'ai des mains, mais horrible, 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 horriblement sèches. C'est juste horrible. Mais bon, à force de. Voilà, toutes les 4. Je dois faire 3-4 fois la vaisselle dans la journée pour les bibes, donc voilà. Non, la vaisselle, il faut vraiment que je m'achète un lave-vaisselle. Je n'en puis plus, donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais peut-être utiliser mes masques mains que j'ai achetés sur Sephora. Il va falloir que je les utilise là parce que clairement, j'en peux plus. Mais je sais pas trop quand les poser parce que bon, bah, forcément, il faut que je m'occupe de Bibou entre temps. Donc avec le gant plein de produits, non. Donc peut-être ce soir quand Doudou rentrera, mais quand il sera bien posé et que c'est lui qui va s'occuper de Bibou, parce que j'ai les mains d'une sécheresse, c'est juste horrible. Et ça fait mal. Donc ouais, ça j'utilise plus, je sais pas pourquoi je l'ai... Je sais pas s'il est pas censé y avoir de pivoine dedans ou quoi, parce que je suis allergique à la pivoine, mais... Une horreur. Et donc vu que j'ai dû sûrement me frotter le visage ou quoi, bah je me suis tout irrité le nez, bah ça c'est aussi avec les mouchoirs, hein, clairement.
Et voilà, j'ai chopé de l'eczéma et je me suis toute coupée les lèvres. Enfin, et je m'acharne quand même, hein, je continue à mettre du rouge à lèvres mat. Mais... Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, je m'énerve. Je me mettrais des baffes des fois, mais bon. Donc voilà. Je sais même pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça. Mais bon. Donc voilà pour mes derniers petits achats sur AliExpress. De toute manière, je vous dis peut-être pas au revoir parce qu'il va peut-être y avoir des colis qui vont arriver. Donc je les mettrai à la suite. Mais je suis déjà à 18 minutes, donc pourquoi pas faire plusieurs vidéos finalement. Pff, la meuf, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. T'as 3 colis et tu mets plus de 18 minutes. T'as un problème meuf, t'as un problème. Donc bah je vous fais des bisous. Et je vous dis bah à bientôt bah, pour une prochaine vidéo unboxing. Désolée. Mais après vous serez tranquille, j'aurai repris le boulot. Je serai dans ma guérite. Sans wifi. Donc je risque pas de faire de commandes. Enfin, j'en ferai nettement moins, je pense. Mais là je pense que je vais me calmer. Même niveau livre, il faut que je me calme. Donc ça sera clairement quasiment plus que des e-books après, je pense. Mais même avec ça. J'ai vraiment du mal. Il faudrait que je m'achète une camisole de force. Il faudrait. Parce que clairement, c'est juste pas possible, quoi. Faut m'enlever ma carte bleue, faut m'enlever internet. Et peut-être que là. Mettez-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Si vous avez des mois où vous n'arrivez pas à vous retenir. C'est dur. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bah soit dimanche, soit mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh baby, look what you started. The temperature's rising and here is this gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, come lie me.